Bonjour, mon nom c'est Divin, président de Divin Fondation. Divin Fondation, c'est une organisation qui intervient dans l'urgence humanitaire. Et aujourd'hui, on a effectué notre premier voyage vers Gitega dans le but de voir dans quel endroit notre premier orphelinat sera installé. Nous sommes venus ici à Gitega, moi et mon équipe Divin Fondation, pour explorer les potentialités de cette ville dans le but de comprendre quelles sont les attentes et quels sont les besoins auxquels Divin Fondation peut essayer de remédier dans le futur, dans cette province de Gitega. Mais aussi on avait comme projet, si possible avec nos bailleurs, d'installer, d'apporter l'eau potable aux villageois. Cependant, je suis chargé de collecter les fonds locaux, nationaux, internationaux. Avec notre très chère collaboratrice Belize, on a eu la chance de visiter les enfants qui sont atteints de l'handicap, dont ça cadre aussi avec nos objectifs dans l'avenir. Dans l'avenir, on essayera plus de se focaliser sur les enfants qui sont handicapés, les organiser l'avenir, payer leur scolarisation et voir si on peut créer l'emploi ou bien certaines activités lucratives pour les aider à s'en sortir dans la vie. Nous voyons, nous retrouvons très bien, bien portable, bien s'habiller, bien communiqué, bien raisonnable, mais peut-être il a des troubles de la troubles cognitifs. Alors, Kedar Rota les appelait, à défaut de connaître ça, à défaut de l'évolution de l'imagerie. Médical, la défaut de ne pas avoir la imagerie, par exemple, MRI, scanner. Parce que pour le moment, ce qu'on est en train de dire, on peut l'expérimenter, le prouver scientifiquement. Et alors, tout le monde qui nous fait tout le monde, je ne sais pas si on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit c'est tout le temps que tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que En effet, Divin Fondation profite de cette occasion de lancer un appel à tout celui qui veut lutter, qui veut combattre ce mal qui ronge notre société. C'est pourquoi Divin Fondation vous invite à prendre part à sa grande vision en devenant membre donateur direct. Vous pouvez remplir nos fiches et vous pouvez donner les paix que vous pouvez avoir dans le but d'aider les enfants les plus démunis que tout. Vous pouvez nous contacter sur nos pages Facebook Divin Fondation Burundi, sur Twitter, sur notre email, sur Instagram, dans le but d'avoir votre des membres donateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi Divin Fondation. N'oublie pas de nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en dessous de la vidéo.